Shalom, 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 bien-aimé de Dieu, enfant béni de Dieu, nous sommes matin, nous retrouvons encore pour notre matinale de 6 heures, d'évancer l'aurore, alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur nous a fait encore la grâce de nous tenir debout, de vous tenir debout, vous et moi. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions être reconnaissants. Nous puissions lui dire merci. C'est pourquoi je voudrais, avec vous, rendre grâce à Dieu en disant, Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Nous voulons te célébrer, te magnifier, te glorifier. Merci pour ce jour encore, ce jour merveilleux que tu nous donnes paix. Tu as dit dans ta parole, par le psalmiste dans le psaume 23, tu as dit, chaque matin, tu renouvelles tes bontés pour nous. Tu as dit, chaque matin, le bonheur et la grâce nous accompagnent. C'est pourquoi ce matin, nous sommes sûrs, nous sommes rassurés que ton bonheur, ta grâce, ta faveur, tes bénédictions nous accompagneront encore paix. Merci pour cette grande opportunité, ce grand privilège que tu nous donnes chaque jour. Merci pour tes faveurs, merci pour ta grâce. Merci pour tous tes enfants dans le monde, de partout dans le monde qui ce matin sont connectés pour ce 6 heures. Merci pour ce que tu as réservé pour nous en ce matin. Merci pour tes grâces dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, ce matin nous sommes ensemble pour des prières de guerre, pour des prières de bombe. Vous savez, nous avons commencé le mois de septembre, 9e mois. Il ne reste que 3 mois pour que nous puissions terminer l'année, pratiquement 3 mois. Et nous savons qu'un temps est arrivé, même si pendant toute cette année, nous n'avons pas pu faire certaines choses. Mais ces 3 mois qui restent, nous ne devons rien rater. Alléluia. C'est pourquoi nous n'allons pas nous amuser pour ces 3 mois, pour ces délais de 6 heures et ces délais de minuit. Nous allons prier fortement pour arracher ce que nous devons arracher. Alléluia. Bien-aimé, ce matin encore, je voudrais inviter quelqu'un, inviter un frère, une sœur, un guerrier, une guerrière, à partager encore ce direct pour que nous puissions ensemble faire du bien au plus grand nombre de personnes. Amen. Guerrier ou pas guerrier? Guerrier ou pas guerrier? Tuer ou pas tuer, alléluia. 2020, c'est mon année de progrès illimité. Amen. Bien-aimés, n'oublions pas notre slogan, notre mot fort que notre prophète, notre père Abba a reçu pour nous en début d'année. Quelle que soit la situation qui s'est passée, cela ne doit pas nous concerner. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et vous savez bien que lorsqu'il y avait la famine en Égypte, dans la Bible dit que Isaac voulait fuir le territoire où il était. Mais Dieu lui a dit, reste là, ne bouge pas, sème. Et cette année, la Bible dit que Isaac resta et il a sémé. Et il a récolté plus qu'il n'avait jamais récolté. Amen. Mais c'est ainsi
que les choses se passent pour les enfants de Dieu. Vous et moi, nous sommes des personnes à part. Nous sommes des personnes pour qui Christ a versé son sang, a payé le prix. Donc les circonstances de ce monde ne doivent pas nous conditionner. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier dans l'assurance. Moi, je crois que pendant que nous allons finir de faire cette prière, pendant les 3 mois qui arrivent, ce que nous n'avons pas pu faire depuis le mois de janvier, nous allons le faire au double au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, mais avant de commencer ce temps, nous allons poser nos traditionnelles actions que nous posons à travers l'aspersion d'eau et du sel prophétique. Parce que je vous ai toujours dit que nous sommes des prophètes. Et un prophète marche avec des actes prophétiques. Et c'est cela, Abba notre Père, qui est un prophète, un véritable prophète, nous a introduit dans ces mouvements prophétiques. Donc tu vas prendre ton eau prophétique et tu vas prendre ton sel prophétique partout où tu te trouves et tu vas asperger un peu partout. Ainsi, tu jettes un peu en faisant ici pour sanctifier ce lieu. Prends un peu de sel aussi et tu en jettes un peu partout. Bien-aimés, nous faisons cela pour sanctifier le lieu, pour imposer la souveraineté de notre Dieu. Amen. Et quand tu as fini de poser cet acte, tu vas faire cette prière qui suit avec moi. Alors je voudrais saluer quelques personnes qui sont déjà connectées, des personnes qui se sont réveillées tôt pour passer ce temps avec nous. Je voudrais saluer Elsa Maria Preira Fernandez. Je voudrais saluer Valérie Zenep. Je voudrais saluer Marie-Philomène Augustin. Michael Asme, Alice, que Dieu te bénisse. Madeleine Kwaku, Dieu te bénisse. Notre maman Christine Domoro, notre maman fidèle, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi ce matin. Ce matin également, toi aussi, que la grâce et le bonheur t'accompagnent comme David l'a dit. Et que le bonheur du Seigneur se renouvelle pour toi. Je voudrais saluer la sœur Kiki Katiachia, la sœur Caroline Biafri. Je voudrais vous saluer, vous tous, guerriers, guerrières, Achia. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Et qu'au sorti de ce temps, quelque chose se passe dans vos vies au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas faire cette prière avec moi. Jésus, 3 fois et nous prions. Jésus, 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 prions ensemble. Seigneur, lorsque tu as rencontré Moïse au buisson ardent, en Exode le chapitre 3 à partir du verset 5, tu lui as dit d'ôter tes sandales parce que le lieu où tu l'as rencontré était un lieu saint. Également, lorsque tu t'es révélé par ton ange Michaël à Josué, en Josué 5, le verset 15, tu lui as dit également d'ôter ses sandales parce que le lieu était un lieu sanctifié. Père, ce matin, tu m'as permis de me réveiller. Et pendant que je suis réveillé, je suis sur le point de posséder le jour. Père, le lieu où je me tiens en ce moment, bien-aimé, toi qui me suis, partout où tu te trouves, que tu sois dans ta maison, que tu sois sur le chemin du travail dans ta voiture, que tu sois au travail, partout où tu te tiens, fais cette prière avec conviction, avec confiance. Parce que pendant que nous sommes en train de prier, les anges sont en train de venir vers vous au nom puissant de Jésus. Le lieu où je me tiens est un lieu sanctifié. Père, le lieu où je commence ma prière ce matin, moi également, comme j'ai versé cette eau exorcisée, et comme j'ai jeté ce sel sanctifié, ce sel exorcisé par ton serviteur, ton prophète, à pas Achia, pas comme Marie, je déclare que je l'ai sanctifié, j'ai purifié ce lieu, j'ai chassé tous les petits démons, tous les esprits, tous les sorciers, afin que, Seigneur, seule ta suprématie, seule ta domination soit réclamée, soit manifeste, et que tout ce qui n'est pas de toi, esprit d'opposition, soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais quand tu as fait une telle prière, tu crois effectivement que tu as chassé tous ces démons. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des prophètes, des prophétesses, et l'onction nous accompagne. Amen. Et nous allons continuer ce temps de prière, toujours en continuant de
saluer ceux qui nous rejoignent. Nous voulons saluer Roselyne Yao, Boris, Gilles Donatien Zebou, Marie Anna Dia. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas encore assez, nous ne sommes qu'à 118. C'est pas normal. Continuez de partager ce direct. Partagez ce direct parce que nous rapprochons de la fin de l'année et nous voulons faire des prières pour attaquer tout ce qui nous a empêchés d'entrer dans nos bénédictions depuis le début de l'année. Nous voulons que ces 3 mois soient des mois qui soient à notre acquis véritablement. C'est pourquoi je voudrais que le plus grand nombre de personnes se connaissent. Valérie Zenep, sois bénie encore. Grâce Christia Ondete, Dieu te bénisse. Bénédicte Marie Badeau, sois bénie. Yvette Yann, sois bénie. Cathy Gloire, sois bénie. Alléluia. Bien-aimé, tu vas faire cette prière avec moi. Cette prière du Gloria Patri, qui est une prière, comme je le dis, comme notre père nous lançait, une plus grande prière d'exorcisme que nous allons le faire. Et pendant que nous allons faire cette prière, nous allons faire le signe de croix, qui est notre signe de victoire, notre signe de guerre, notre signe qui peut faire fuir le diable, parce qu'il sait que c'est à la croix que son sort a été cloué. Et tu vas faire cette prière avec moi pendant que nous faisons le signe de croix. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans des siècles et des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans des siècles. Amen. Bien-aimés, après avoir posé ce tact, nous allons maintenant nous adresser à la Sainte Famille. Tu vas prier avec moi. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant prendre un peu de ton eau prophétique. Parce que je vous l'ai dit, nous entrons dans des zones de perturbation. Nous tendons vers la fin de l'année et beaucoup de choses se passent. Soit tu vas prendre l'arme la plus efficace que Jésus-Christ nous a laissée au travers de son sang précieux, symbolisé par cette eau exorcisée qui est dans ta main, et tu vas t'en asperger, comme je suis en train de le faire. Tu vas t'en asperger, non seulement pour te couvrir pour cette journée, mais également pour tous les autres jours. Tu vas ainsi faire cette prière avec moi. Prie avec moi. Mon Dieu, par cette eau bénite, eau prophétique, et par le sang précieux de Jésus, mon Sauveur, fais-moi miséricorde. Fais également miséricorde à tous mes parents et à toutes les âmes du purgatoire. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, après nous être lavés par cette eau, après nous avoir purifiés par cette eau, après nous être purifiés par cette eau, maintenant nous allons faire notre grande prière d'action de grâce. Cette prière qui nous permet de tourner le regard vers Dieu, pour lui rendre grâce, pour lui dire merci, pour la journée qui commence. Je vous l'ai dit en introduction que Dieu nous a fait la grâce de nous lever encore ce matin. Il nous a fait la grâce de nous donner la bonne santé. Parce qu'en ce moment où nous sommes, il y a des gens qui sont couchés sur les lits d'hôpital. Ces personnes ne sont pas meilleures que ces personnes. Mais Dieu a permis que nous puissions nous réveiller. C'est pourquoi il est bien que nous puissions prier pour rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi de là où tu es, vraiment, si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si vraiment, tu dois prendre la position qui montre que tu vas parler à ton Dieu. Ton bien-aimé où tu es, tu vas lever les deux mains. Tu vas dire Jésus 3 fois. Et tu vas prier avec moi. 1, 2, 3. Jésus, Jésus, Jésus. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Mon Dieu, je t'adore et je te reconnais comme mon Créateur et mon souverain Seigneur. Je te remercie de tout mon cœur
de m'avoir gardé cette nuit. Je t'offre mon repos, mon âme et toutes mes actions de cette journée. Ô mon Père, accorde-moi la grâce que mes actions soient unies aux actions de Jésus-Christ et consacrées à ta gloire. Ce matin, je désire poser toutes mes actions selon tes sentiments et tes volontés. Je demande la grâce de vivre cette journée dans une plus grande sainteté que la journée passée. Et si je dois t'offenser volontairement, Seigneur, corrige-moi. Sainte Vierge Marie, toi ma mère, obtiens-moi la grâce de vivre une journée de sainteté et donne-moi ta sainte bénédiction. Saint Joseph, toi mon Père, le protecteur de mon âme, protège-moi en ce matin. Mon ange gardien, toi qui as toujours été là depuis ma naissance, ce matin, accompagne-moi, assiste-moi. Fais-moi prendre les bonnes décisions, les bonnes initiatives. Saint Michel Archange, mes saints patrons et patronnes, et vous tous, saints et saintes, dont toutes les églises catholiques, orthodoxes et romaines célèbrent aujourd'hui la mémoire, je vous en supplie. Secourez-moi dans tous mes besoins et priez pour moi, afin que Dieu me garde de toute mort subite, de tout accident, de toute noyade, de tout feu et de tout péril, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Les brazakatarabashakataba. Merci Seigneur. Merci pour ta main qui est posée sur nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cet amour dont tu as tant manifesté. Merci pour ton Fils qui s'est livré à la croix pour nous à cause de notre bien-être, de notre épanouissement. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons bientôt entrer dans nos moments de prière de guerre. Et nous le savons tous. Jésus lui-même nous l'a enseigné. Nous devons pouvoir réparer ce que nous avons gâté par notre comportement, par notre manière de vivre. Depuis hier soir jusqu'à ce matin, beaucoup de choses se sont passées. C'est pourquoi, avant de commencer cette journée, il est bien que nous puissions marquer une pause pour reconnaître notre fragilité, notre faiblesse et de lever les yeux vers Dieu pour crier à lui, pour implorer sa miséricorde. Bien-aimé, partout où tu es, tu vas prendre une position de repentance, une position d'apaisement, une position qui nous permet de nous reconnaître des personnes faibles, des personnes de péché. Et nous allons ensemble crier à lui pour lui demander pardon. Le psaume 66, à partir du verset 18 à 19, il dit « Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, bien-aimé, écoute bien le verset. Il dit, si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, c'est pourquoi ce matin, tu dois pouvoir te libérer, tu dois pouvoir vider ton cœur. Il dit, si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Tout ce que nous allons faire ce matin, s'il y a des intentions coupables dans ton cœur, tu vas crier pour rien. Le Seigneur ne t'écoutera pas, frère. Je t'en supplie, ce matin, libère ton cœur. Il dit, mais Dieu m'a entendu. Fais partie de ces violents. Il dit, seuls les violents, seuls les guerriers et les guerrières peuvent s'en emparer. Amen. Alléluia. Les sorciers ne comprennent qu'un seul langage. Notre Père bien-aimé nous l'a toujours dit, celui de la violence. C'est pourquoi Papa, Abba, Chia, Papa, Marie, nous a dit que si nous ne les arrêtons pas, c'est eux qui vont nous arrêter. Déjà ce matin, nous allons commencer par annuler tous ces mauvais rêves au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer par annuler tous les mauvais rêves au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, le nombre a commencé à baisser. Ce n'est pas peut-être le problème du réseau, mais ressaisissons-nous très vite. Ressaisissons-nous très vite parce que je vous ai dit, nous entamons des prières de guerre pour que tout soit rétabli. Tout ce que le diable nous a empêché de pouvoir récupérer, de pouvoir avoir durant toute cette année 2020. Le temps est arrivé que nous puissions reprendre cela. Amen. Nous revenons sur nos rêves. Je voudrais quand même vous inviter à continuer de partager encore, partager encore, partager encore, partager, partager, taguer quelqu'un sur tous les réseaux. Partagez YouTube, Facebook, Instagram, partout. En tout cas, tous les canaux, partagez pour que ce matin, nous puissions être beaucoup à bénéficier de cette grâce matinale. Amen.
La Bible nous dit, comme nous le disons toujours, notre prière, notre verset traditionnel en Daniel, le chapitre 4, verset 19, il dit, alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublèrent. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour annuler tous ces rêves-là. Je vous ai dit que nous avons la faculté de pouvoir changer les choses. Amen. Nous avons la faculté pour changer les choses. Amen. C'est pourquoi nous allons prier ce matin pour que tout rêve qui ne nous arrange pas nous soit annulé au nom puissant de Jésus. Lève la main droite d'autorité. Tu vas dire Jésus trois fois et tu vas prier avec moi. Un, deux, trois. Jésus, Jésus, Jésus. Prions ensemble, combattons ensemble le bon combat de la guerre victorieuse. Seigneur Jésus, ce matin, pendant que je suis sur le point d'engager la guerre contre les ennemis de ma vie, de ma destinée, de ma prospérité, de ma bénédiction, je veux prier dans un premier temps pour annuler tout rêve qui m'a été envoyé pour perturber mon équilibre dans ma vie sentimentale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, tous ces rêves dans lesquels j'ai été poursuivi par des chiens, par des bœufs, par des serpents, par des gorilles, par des tigres, ce matin, je lève mon âme et de tout élément de mon être qui intervient dans la manifestation de mes rêves. Je les sanctifie par le sang de Jésus. Je déclare qu'à compter de ce jour, tous mes rêves seront des rêves de victoire, de bénédiction, de succès, d'élévation, de prospérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Les brasés katarabasha kataban. Alléluia. Bien-aimés, après avoir annulé tout ce qui est mauvais rêve et reprogrammer ses rêves, pour que ses rêves nous fassent du bien, soit des rêves de bénédiction. Nous allons maintenant entrer dans la guerre. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, en Exode, le chapitre 22, le verset 18, il est écrit, « Tu ne laisseras point vivre la sorcière. » Bien-aimé, là, il s'agit de la Bible. C'est la Bible, c'est un verset qui fait partie de la Bible. La Bible, c'est l'Écriture sainte. Si Dieu a mis ce verset dans la Bible, ça veut dire qu'un sorcier, il ne doit pas vivre. Parce que tant qu'il est vivant, il ne te laissera jamais avancer. Nous avons l'exemple de la Bible. Nous avons plein de sorciers qui sont imagés dans la Bible. Tant qu'il ne mourait pas, le chemin n'était pas tracé. Nous avons Pharaon et son peuple, son armée. Malgré tous les signes que Dieu lui a montrés, tant que toute son armée ne périssait pas dans la mer, Pharaon n'allait pas abdiquer, bien aimé. C'est comme ça que le sorcier marche. Donc quand Dieu qui est auteur de la sagesse dit une parole, Dieu a réfléchi plus que nous. Le sorcier ne doit pas être au milieu des hommes, alléluia. Le sorcier n'est pas un homme. Le sorcier a un esprit humain satanique. Donc ce n'est plus l'esprit de Dieu qui travaille au travers du sorcier, c'est l'esprit du diable. Or nous savons que être humain que nous sommes d'abord esprit. Avant d'être âme, avant d'être corps. Amen. Donc si son esprit a été transformé en Satan, il n'est plus un être humain. Il est un démon. Alléluia. Donc ces personnes doivent être supprimées pour que nous puissions avancer. Si jusque-là, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, des sorciers se sont mis sur ton chemin, le temps est arrivé que ce chemin, qu'il soit, il dégage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Brassakata. C'est pourquoi lorsque nous lisons la Bible, le psaume 59, c'est le psaume qui montre, le psaume 59 est le psaume par excellence qui montre comment le sorcier travaille. Nous avons vu David qui lui-même a vu, pardon, nous avons vu Saül qui lui-même a vu que David était un bon guerrier. Pendant que c'était chaud et que les Philistins avaient arrêté toute activité au niveau des Israéliens parce qu'ils avaient tout bloqué et que Goliath était en train de régner. Personne ne pouvait aller affronter Goliath pendant 40 jours. C'est le petit David qui a pu se lever pour aller faire tomber Goliath. Mais une telle personne, normalement, elle doit être récompensée à vie. Mais ce que nous constatons,
n'est pas le cas. Nous avons vu qu'à un moment donné, Saül, à cause de la jalousie, a voulu faire tuer David. Ça, c'est le cas de la sorcellerie. Et c'est là que David a commencé à faire ses prières. Donc, bien aimé, nous allons commencer notre prière avec le psaume 59. Nous allons proclamer ensemble. Donc, toi qui me suis, fasse le psaume 59, les versets 1 à 3. Nous allons proclamer ce psaume-là avant de commencer notre prière de guerre. Amen. Nous allons dire Jésus trois fois. Les bras chakata là-bas. Pendant que je salue quelques personnes encore, ceux qui viennent de nous prendre en marche, pendant que chacun de nous retrouve le psaume 59, les versets 1 à 3. Je vais saluer Daniel Goya, je vais saluer Eliane Bakandé, je vais saluer Bayi Tosu, je vais saluer Jeannette Yemoko, je vais saluer Daniel Goya, je vais saluer Christiane Adandé, je vais saluer Marie Philomène Augustin, vous tous, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous, au nom puissant de Jésus. Revenons à notre temps de guerre. Jésus trois fois. Et nous proclamons ce psaume. 1, 2, 3. Avec la main droite levée. Jésus, 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 prie avec moi. Au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne de David. Écoutez bien. Normalement, on pourrait dire que le début n'était pas important. Mais je vais planter le décor. Hymne de David. Lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. Amen. Donc c'est lorsque le sorcier s'est déchaîné contre toi que tu pousses ce cri. Alléluia. Donc nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus, 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 nous prions. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable. Sans que j'aie péché, ô Éternel. Alléluia. Les brasa kataraba shakatara. Prie avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je commande que tout siège de la sorcellerie dans ma maison, dans mon lieu de travail, dans mon ministère, dans ma famille, soit exposé et consumé par le feu. Les brasa katarabababa. Les brosi kataraba shakatara. Prie encore avec moi. Que le tonnerre de Dieu disperse en ce matin tout fondement de la sorcellerie dans mon foyer au nom de Jésus-Christ Nazareth. La katabache keteboucha katayaba. Seigneur Jésus, en ces derniers mois de l'année 2020, je commande que toute goutte de mon sang qui a été sucée par un sorcier soit vomie maintenant au nom puissant de Jésus. Et je commande que la boue de tous ces sorciers commence à pourrir maintenant. Que leurs yeux commencent à pourrir dans leur orbite. Et que leurs langues commencent à pourrir maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les brasa katarabaya sokotobo. Rase ketebo rakatabam. Rabra sokotobo shikataba. Prie encore avec moi. Seigneur Jésus, ce matin encore, tout obstacle placé par les sorciers de ma famille depuis le début de cette année, sur la route de mon miracle, de mon succès, de ma bénédiction, et qui m'a retardé et m'a fait aller d'échec en échec jusqu'aujourd'hui. Je commande que le vent d'est de Dieu vienne dégager tous ces obstacles au nom puissant de Jésus-Christ. Et tous ces sorciers soient rôtis dans le feu. Les brasés que te beau jacatabayam, raquette bossé kataraba, rabossa kataraba, chèque. Prie encore avec moi. Oh Dieu mon roi, ce matin, je commande que tout œil des sorciers en train de piller mes affaires pour les détruire, en train de manipuler mes finances, ma vie spirituelle, mes marchés, mon mariage, soit arraché par les flèches de feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les brosa katarabayashe ketebo, rekatabazu katarabosokoto. Bien aimé, nous allons marquer une pause. Et nous allons proclamer encore quelques versets du psaume 59. Cette fois-ci, vous allez aller sur le verset 4, les versets 4 et 5. Et nous allons proclamer ces versets encore avant de continuer notre prière de guerre. Les brosa kataraba. Ce matin, quelque chose doit bouger dans notre vie. Ce matin,
tous les chemins doivent être dégagés. Ce matin, tout obstacle qui avait été posé par un quelconque sorcier, qui comptait sur son petit pouvoir, ce matin, nous allons déloger, nous allons enlever ces obstacles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les brazakata rabaya sakata. Nous allons au Psaume 59, les versets 4 à 5. Psaume 59, versets 4 à 5. Rache kerebo shakataba. Nous levons la main droite d'autorité. Jésus, trois fois. Le nom qui ouvre toutes les portes, le nom qui fait fléchir tout genou, le nom qui a manifesté, qui a déjà manifesté sa victoire. Nous allons proclamer ce nom trois fois et nous allons prier. Un, deux, trois. Jésus, Jésus, Jésus. Nous proclamons le psaume 59, versets 4 à 5. Malgré mon innocence, oh, oh mon Dieu, il court, ces sorciers, il se prépare. Réveille-toi, mon Dieu. Viens à ma rencontre et regarde. Toi, éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes ces nations, pour châtier tous ces sorciers, pour châtier tous ces méchants. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles au nom puissant de Jésus-Christ. Les bras sakataraba. Les lamens d'autorité commencent à prier en langue un peu où tu es. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Les bras sakataraba. Si tu ne pries pas en langue, commence à prier le Saint-Esprit. Les bros sakataraba. Rekekekekekeke. Rakataba rokotobo. Rebraje kataraba ya sokorobo. Continuons la guerre. La guerre fait du bruit. Prie encore avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, toute personne qui a choisi le camp de Satan pour tourmenter ma vie, tout sorcier qui s'est transformé en python et qui a avalé mon emploi, ma santé, mon mariage, mon ministère, mon voyage, je commande que Michael brandisse son épée et le découpe maintenant au nom puissant Jésus. Je dis, je commande que Michael brandisse son épée et le découpe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les bras chakaraba, zokotorobo, raketebo chakataraba. Tout sorcier qui a tendu son doigt vers moi au nom puissant de Jésus-Christ, je commande qu'également Michael utilise son épée et coupe ce doigt au nom puissant de Jésus. Coupe ce bras tendu vers moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les bras chakataraba. Rebose kotorobo sakataba. Rakataba chakataba. Prie encore avec moi. Oh Dieu, ce matin, tout décret satanique arrêté depuis le couvent des sorciers contre ma destinée, je le revoque au nom puissant de Jésus. Je le revoque au nom de Jésus. Je le revoque au nom puissant de Jésus. Oh rasakataba. Oh Dieu, Dieu de ma louange. Ce matin, tout hôtel démoniaque sur lequel mon nom a été invoqué, le nom de mes enfants a été invoqué, le nom de mon époux ou de mon épouse a été invoqué. Ce matin, par les boules de feu, je renverse cet hôtel, je le brise, je l'anéantis par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, les bras chakatarabaya rokotobo, les katubasu katarabase keterebo, rakatabashe keterebo, rakataba. Oh Dieu, Dieu de ma louange, ce matin encore, tout hôtel de mon village sur lequel les sorciers appellent mon nom, appellent mon âme, appellent mon image pour me manipuler, pour me frustrer, au nom puissant de Jésus, ce matin, cet hôtel et le prêtre démoniaque qui officie, je les brise par le feu. Je les brise par le feu au nom puissant Jésus. Tout homme fort de ma famille paternelle, tout homme fort de ma famille maternelle ne devait pas me laisser aller. Ce matin, les brazakata rabache keterebo, laisse-moi aller au nom de Jésus. Laisse-moi aller au nom de Jésus. J'envoie le feu sur toi au nom puissant de Jésus. Je te lis homme fort. Je te paralyse au nom puissant de Jésus. Je te frappe d'aveuglement et j'envoie Michael se charger de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les brazakata rabasso kotobo, rakata bayasakata. Bien aimé, nous allons prendre un autre verset, cette fois-ci en Ésaïe 49, à partir du verset 26. Ésaïe 49, verset 26. Ésaïe 49, verset 26. Ésaïe 49, verset 26.
Pendant que vous nous suivez, envoyez-nous vos intentions pour que nous puissions intercéder par rapport à ça. Pour que nous puissions intercéder par rapport à ça. Vos intentions d'oppression, vos intentions de maladie, envoyez pour que nous puissions intercéder en direct pour ces intentions. Parce que ce matin, Abba nous a imposé la main pour que nous puissions venir prier avec vous. Les Braja Katarabaso Korobo. Ésaïe 49, verset 26. Il dit, écoute bien. Parce que souvent nous lisons la Bible, nous ne faisons pas attention. Souvent la parole seule suffit pour que nous voyons Dieu agir dans notre vie. Amen. Il dit, je ferai manger à tes oppresseurs, aux sorciers, aux méchants, leur propre chair. Quand tu entends une telle parole, bien aimé, ton âme doit être dans la paix. Dieu lui-même se lève pour combattre pour toi. Tu n'as plus besoin de faire quelque chose. Il dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Écris en commentaire ce matin. Tous les sorciers de ma famille sont en train de manger leur propre chair parce que Dieu l'a déclaré. Amen. Parce que Dieu l'a déclaré. Et il dit, la parole qu'il relâche ne retourne pas à lui sans avoir produit l'effet pour lequel elle a été relâchée. Il dit, je ferai manger à tes oppresseurs. Il dit, il fera manger à mes oppresseurs leur propre chair. Il fera manger à tes oppresseurs leur propre chair. Amen. Les Braza Kataraba. Vois déjà maintenant dans le camp des ennemis, vois la pagaille entre eux. Vois la pagaille, la confusion entre eux. Vois maintenant en train de se déchirer, de se piquer entre eux. Vois. Vois dans ton esprit. Toutes ces personnes qui se sont déchaînées contre toi, en train de s'entre-déchirer contre eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, ils se livreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. Bien-aimé, tu vas lever la main droite d'autorité. Cette prière que tu es en train de faire, pendant que tu la déclares, elle s'actualise maintenant. Elle a un effet retentissant dans le monde, dans le royaume des cieux. Et cet effet revient vers toi maintenant. Je dis maintenant que nous sommes en train de parler, ce n'est pas après. Maintenant que nous faisons cette prière, c'est maintenant que Dieu agit sur la base de cette parole au nom puissant de Jésus. Lève la main droite d'autorité. Jésus, trois fois, et nous prions. Un, deux, trois. Jésus, 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 prie avec moi. Seigneur Jésus, sur la base de cette parole, tous ceux qui se sont levés contre ma vie, contre la vie de mon épouse, de mes enfants, qui ont frappé leur poitrine et qui ont déclaré que tant que je ne tombe pas, tant que mes enfants ne tombent pas, tant que mon épouse ne tombe pas, eux, ils ne dormiront pas en paix. Ce matin, je signe leur arrêt de mort. J'ai dit ce matin, je signe leur arrêt de mort. Et je décrète, comme l'a dit la parole, qu'ils s'entre-déchirent entre eux, qu'ils se boivent leur sang entre eux, qu'ils se tailladent entre eux. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, les brassa katarabaya. Les brosso kotobo shikatarabo, rakete kete kete kete, rikataba shakataba, rabo sakatam. Guerrier ou pas guerrier, les brasha kataraba sokorobo, rakete bosha. Commence à écrire que c'est fait, commence à écrire, je vois dans mon esprit tous ces sorciers en train de s'empoignarder. Je vois ces sorciers en train de s'entre-déchirer, de boire leur propre sang. Vois cela dans ton esprit. Les braja katarakatabam. Rekete bosika. Et pendant que tu vois, la chose s'accomplit maintenant pour toi au nom puissant de Jésus. Prie encore avec moi. Jésus, trois fois. Jésus. 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 Prie ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, tout piège placé par les sorciers sur mon chemin, sur le chemin de mon travail, tout fossé creusé devant ma porte par les hommes iniques, les agents de Satan, dans le seul but de me voir faire des accidents. Dieu de justice, par le sang de Jésus, notre Seigneur, détruis ce piège et que tous ces méchants, ces sorciers, soient anéantis par la droite puissante de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore avec moi. Seigneur Jésus,
Ce matin, je trace une ligne de démarcation avec ton précieux sang. Et tu peux prendre ton eau exorcisée, et tu peux tracer, comme ce que je suis en train de faire. Et pendant que tu verses cette eau, tu vois dans ton esprit, en train de tracer cette ligne de démarcation par le sang de Jésus. Donc ce matin, je trace une ligne de démarcation avec ton sang précieux, avec ton sang victorieux, autour de ma personne, autour de mes enfants, autour de mon mari ou de mon épouse et de nos bénédictions. Je déclare, parce que j'ai posé cet acte dans la foi, désormais, aucun pouvoir de sorcier, aucun pouvoir de mystique, aucun pouvoir de féticheur, de charlatan, aucun pouvoir d'un envoyé de Satan ne pourra opérer contre ma vie, contre la vie des membres de ma famille, contre la vie de mes frères, de mes sœurs, contre la vie de mes enfants, contre la vie de mes bénédictions, contre la vie de tous ceux qui me sont chers, contre mes bénédictions. Nous sommes, bien-aimés, ma famille et moi, à jamais couverts par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, de là où tu te tiens, commence à déclarer cette parole. Déclare qu'aucun pouvoir qui vienne d'un sorcier, qui vienne d'un féticheur, d'un mystique, ne pourra t'atteindre ni te contrôler au nom puissant de Jésus. Déclare-le. Écris en commentaire, aucun pouvoir, aucun sorcier, aucun mystique, quel que soit son pouvoir, ne pourra plus jamais me contrôler parce que j'ai entouré ma vie du sang de Jésus. J'ai entouré ma vie de cette ligne de démarcation par le sang de Jésus. Je suis couvert du sang de Jésus. Je suis sous la couverture, la protection originale du sang de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Guerriers et guerrières, nous arrivons à la fin de cette prière de guerre matinale de ce jour. Je voudrais ce matin te demander, toi qui me suis, vous qui nous suivez, je voudrais vous demander de croire à l'autorité, au pouvoir, à la capacité de l'efficacité de cette prière. Si tu le veux même, ce soir, après le délai de minuit, tu peux reprendre ces prières dans la foi. Parce que le Saint-Esprit lui-même nous a inspiré cette prière pour ces temps urgents de fin d'année. Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous a équipés. Nous avons tout ce qu'il faut pour en finir avec toutes ces forces maléfiques, tous ces sorciers, tous ces démons. Donc ce matin, toi qui as participé à cette prière avec nous, ou toi qui également suivras cette prière après, sache que nous avons tous la même part de bénédiction. Alors, je l'ai dit, nous sommes au terme de ce temps de prière. Nous voulons relâcher la bénédiction du Père sur vous. Nous prions donc que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la gloire doxa de Dieu soit sur vous. Allez à vos différentes occupations dans la paix, dans la tranquillité, dans la quiétude, parce que la main protectrice de Dieu est sur chacun de nous. N'oubliez pas, les guerriers et les guerrières, le challenge à Chialand. Dieu attend que chacun de nous soit collaborateur de cette grande vision qu'il a donnée à son prophète. C'est ensemble que nous devons bâtir l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, dans les actes des apôtres, les premiers chrétiens faisaient tout ensemble. Ils mettaient tout ensemble. Ils formaient ainsi une seule communauté. C'est ensemble que nous serons forts. Que Dieu te bénisse et que cette journée soit une journée d'opportunité, de grande grâce, de bénédiction pour toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
avec les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras sans débro, sagadabro, l'ikete débro, santa kadana, l'ikarama souralani, l'iramama solébro, chante, l'idée de dédo, santa kébro. La rama sota de côté la douche à la rama de salamé. Oh, et les vins sont la base. Rima mama contre la base de soleil. Oh, vino robo, rama au chavalé. Les têtes de mon psyché tablant de la masse. Les quatre mamans de l'émotion. Rama au tara. Ricata de la balance. Rime les mots. Le dedos,